C'était le 4 juin, le soleil tapait depuis le matin. Je m'occupais de la vigne et mon frère chargeait le foin. Et l'heure du déjeuner venue, on est retourné à la maison. Et notre mère a crié de la cuisine, essuyez vos pieds sur le paillasson. Puis elle nous dit qu'elle avait des nouvelles de Bourg-les-Essarts. Ce matin, Marie-Jeanne Guillaume s'est jetée au fond de la gare. Et mon père dit à ma mère, en nous passant le plat de gratin, la Marie-Jeanne, elle n'était pas très maligne, passe-moi dans le pain. Il y a bien encore 2 hectares à labourer dans le champ de la canne. Et maman dit, tu vois, c'est quand même bête, quand j'y pense pour cette pauvre Marie-Jeanne. On dirait qu'il n'arrive jamais rien de bon à Bourg-les-Essarts. Et voilà, Marie-Jeanne Guillaume s'est jetée du pont de la gare. Et mon frère dit qu'il se souvenait quand lui et moi, et quand Nicolas, on avait mis une grenouille dans le dos de Marie-Jeanne au cinéma. Et il me dit, tu te rappelles, tu lui parlais ce dimanche près de l'église. Donne-moi encore un peu de vin, c'est bien injuste la vie. Dire que je l'ai encore vu à la Syrie hier, à Bourg-les-Essarts. Et qu'aujourd'hui la Marie-Jeanne s'est jetée du pont de la gare. Et maman dit enfin, maman, tu n'as pas beaucoup d'appétit. J'ai cuisiné tout ce matin, tu n'as rien touché, tu n'as rien pris. Dis-moi, la sœur de jeune curé et passer en auto. Elle m'a dit qu'elle viendrait dimanche à dîner. Oh, et à propos, elle dit qu'elle a vu un garçon qui te ressemblait à Bourg-les-Essarts. Et lui et Marie-Jeanne jetaient quelque chose du pont de la Garonne. Toute une année est passée, on ne parle plus du tout de Marie-Jeanne. Mon frère qui s'est marié a pris un magasin avec sa femme. La grippe est venue par chez nous et mon père en est mort en janvier. Depuis, maman n'a plus envie de faire grand-chose, elle est toujours fatiguée. De temps en temps, je vais ramasser quelques fleurs du côté des essaims. Et je les jette dans les eaux boueuses du haut du pont de la gare.